Bonjour à tous les amis, il est 9h02, c'est lundi, c'est le début de semaine. Voilà, ben, un live matinal, hein, parce que c'est la semaine où on peut faire les lives le matin, mais on ne peut pas les faire les après-midi. Donc du coup, ben voilà, donc du coup, on va s'adresser ben, à ceux qui sont là les matins. Vous êtes déjà pas mal, il y a déjà 70 personnes sur le live via donc, Facebook, via YouTube et via Twitch. Les amis, pensez à vous abonner donc à nos chaînes YouTube, Twitch et à la page Facebook. Merci pour les petits pouces bleus et merci aussi pour les partages. C'est très, très, très important. Alors, le but de cet espresso du matin, c'est en fait, on va revenir un petit peu sur l'actualité du week-end de l'OM. On va reparler un petit peu de. On va faire donc la revue de presse. On va revenir un petit peu sur le match face à Monaco, sur le classement, sur l'erreur de la VAR, on va faire un petit point mercato. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà, je vais accueillir Jem. On mettra le lien un petit peu plus tard dans le live si, pour certains s'ils veulent monter. Venir parler avec nous. D'ailleurs, vous êtes déjà pas mal. Hein. On va remercier les personnes qui sont là. Géraldine, Anthony, Ludo, Marie, Sébastien, Franck, David, Dins Guigoz, Maxime, pardon, Patrick, Bruno, Django, voilà, Didier, Jean-Pierre. Voilà, merci à tous ceux qui sont sur ce live. Merci pour votre fidélité. Allez, on va accueillir tout de suite Jem. Salut Jem, comment tu vas? Et salut, moi c'est ma semaine de repos, vous Je le savais savez. pas là. Je savais pas parce que je pensais que j'étais tout seul dans la team. Non, je vous ai dit, j'avais enchaîné 2 semaines de boulot d'affilée. Et Allez. donc là, c'est ma semaine de repos. Pour ceux qui ne Donc le ça savent tombe. pas, je travaille 7 jours sur 7, hein, je ne suis pas un glandu. Hein. Donc voilà, donc Parce que infirmier, donc forcément, je travaille d'affilée. Donc j'ai travaillé 15 jours d'affilée, donc c'est ma semaine de repos. Donc je suis Eh là. bien, exactement, tu fais bien de le dire, hein, parce que c'est vrai que souvent. Je reçois des messages, oh les glandeux, vous êtes toujours en train de faire des lives. Non, mais on travaille, on a une vie à côté. Hein. Ah ben je Alors, fais Jam, 14 heures par jour moi. il est Donc infirmier. c'est Il est réglé, infirmier. hein. Mais c'est ça. Je fais Moi, je 6h30, suis. 20h30. Exactement. Moi, pareil, je travaille. Hein, je fabrique des puces dans une société de microélectronique. D'ailleurs, je salue tous mes amis de la société ST Microélectronique à Rousset. Voilà, donc je travaille une fois les matins, une fois les après-midi. Donc là, c'est la semaine d'après-midi. Donc voilà, on fait les lives. On fait des lives le matin, donc du coup, pour cette semaine. Alors là, si Jam est disponible, eh bien, on fera peut-être une ou deux Avec émissions sur ce l'expresso, matin. regarde. Voilà, exactement, avec le café en question. Donc, on vous souhaite à tous, les amis, un bon café. C'est l'heure du café. Donc, on boit le café avec vous ce matin sur le canal Olympien. Jam, on va revenir tout de suite eh bien, sur la revue de presse. Hein. Donc, pour tous ceux qui suivent la page Facebook, ben, tous les matins, vous pouvez suivre à partir de, en moyenne, autour de 5 heures du matin. On met en ligne ben, la revue de presse. En général, on suit l'équipe. On suit donc deux quotidiens régionaux qui sont la Provence et la Marseillaise. Voilà, donc ce matin, les titres au niveau de l'équipe, ben, voilà, c'est a priori, donc on reviendra sur la fin de l'émission, on va parler un petit peu du mercato. A priori, c'est fermé pour Guendouzi. Donc normalement, le joueur devrait rester du côté de l'OM au moins cet hiver. En attendant, ben, le mercato d'été, ça sera peut-être différent. Ensuite, au niveau de la Provence, eh bien, c'est toujours un point mercato qu'ils font, donc avec Gueye qui est attendu à Séville et Vitinha, donc qui est dans le viseur de l'OM. Hein, on est à moins de 48 heures de la fermeture du mercato et l'OM recherche impérativement donc un attaquant. Et enfin, donc la Marseillaise qui revient donc sur la signature de Unai, pardon, du côté de l'OM, donc où il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons et demie. Avec l'OM, donc l'OM a fait signer la révélation, on va dire, du mondial donc 2022. Ouais, 22. Jem, donc l'OM frappe fort quand même là, donc avec cette signature. Ah ben oui, là on a affaire à un joueur très technique hein, qui percute, c'est ce que recherchait. En fait, c'est pour compenser la blessure d'Harit. Hein, on cherchait quelqu'un qui percute balle au pied, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'avait plus entre guillemets, puisqu'on n'a plus que des joueurs plutôt de relais. Ce qui est intéressant aussi dans cette petite revue de presse, c'est que Guendouzi, ben, finalement, maintenant, on ferme la porte, mais je pense qu'elle sera ouverte cet été, hein, faut pas se mentir. On ne peut pas perdre un joueur de la valeur de Guendouzi, hein, qui remplace à tous les postes au milieu. Hein, il peut jouer devant, il peut jouer derrière, bon, même si devant, il est moins performant, mais il dépanne très bien. Alors, moi, le départ de Gueye, alors, on a vu les images hier sur différents médias, donc il est bien arrivé à Séville hier soir. Hein, donc, ce n'est pas une rumeur. Hein, donc, c'est bien un départ en prêt
sans option d'achat. C'est bien ce qu'ils disent. Alors, moi, je suis très content. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que dans l'effectif, il y a un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup et qui est meilleur que Gay, c'est Elmaz, le Turc qu'on a récupéré de Galatasaray. Je trouve qu'il est beaucoup plus vif que Gay. Il a à peu près le même profil, plus technique. Gay a une plus grosse frappe, c'est vrai, mais je pense qu'il faut laisser la chance au moins à intégrer Elmaz quelques minutes par match. Ça fera du bien à ce jeune joueur et ça fera du bien aussi à la tête des jeunes. Ça, c'est un bon point pour nous. Exactement, comme tu dis, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu s'investir sur ce côté jeune que l'OM n'a pas depuis quelques années, depuis même plusieurs années. On va revenir aussi sur la Ligue 1, hein, la Ligue 1, donc sur cette victoire, ouais. Ce surmatch nul de l'OM face à Monaco. Donc, on peut avoir de gros regrets. Donc, quand tu vois les résultats du week-end, hein, quand tu vois que Lens a été accroché, quand tu vois hier soir Paris qui se fait rejoindre dans les dernières secondes face à Reims, et c'est vrai, donc quand tu vois ce classement-là, tu te dis, bon, ça n'a pas trop bougé, mais on peut quand même avoir de gros regrets. Surtout, on pense encore à cette erreur de VAR où l'OM, avec ses deux points supplémentaires, donc on serait à 45 points, à trois petits points du PSG, alors qu'on va les recevoir dans quasiment un mois. Voilà, ça fait rager, James, tout ça. Ah, mais ça fait plus que rager, c'est pas une erreur. C'est un entubage, JC, il faut le dire tel que c'est. Comment ça se fait que M. Pignard n'est pas venu s'exprimer? C'est bizarre, hein, parce qu'il y a des arbitres qui s'expriment parfois sur certaines décisions. Pourquoi il n'est pas venu s'exprimer, M. Pignard? Donc, il faut qu'il arrête de se pignoler lui aussi, parce que déjà qu'on avait Bastien, Le Texier et toute la clique qui était sans vaseline, je passe l'expression qui est vulgaire, mais là, faut arrêter les délires. Si là, il n'y a pas un carton rouge, parce que attention, Kolasinac, on ne connaît pas la nature de sa blessure. Il a joué la fin du match tout en boitant. Je ne sais pas quelle est la blessure de Kolasinac. Si on perd Kolasinac, on est dans une mouise internationale. Et on ne va pas me dire que ce monsieur… parce qu'attention, hein, le défenseur monégasque, on le connaît, hein, on ne peut pas dire que ça soit un tendre. Hein, donc, voilà. Donc, moi, je suis désolé. Ce n'est pas une erreur de la VAR. C'est, je pense, un entubage en bonne et due. Surtout que, comme tu dis, c'est… Alors, on a perdu Jam. Ouais, tu es là, Jam. De la VAR. D'accord. Les supporters… Tu as une connexion assez hachée. Alors, je ne sais pas si ça vient de ta… Ah, mince. Tu m'as là ou pas? Là, c'est bon, là, c'est nickel. Alors, voilà. comme tu disais, on a subi un entubage, on va même dire un double entubage, parce qu'il y aurait dû y avoir pénalty pour l'OM et carton rouge, ça veut dire que les Monégasques auraient dû se retrouver en infériorité numérique et le match n'aurait pas été le même. Oui, bien sûr, mais et puis je pense que là, si on gagne ce match-là, je peux te dire que… Les capitales, les têtes pensantes de la capitale auraient commencé à trembler, vraiment. Vraiment, parce que n'oublions pas qu'on les joue dans pas longtemps. Donc, dans la tête, ça va commencer à cogiter. Donc, moi, je pense que tout a été fait exprès, même si je ne suis pas un complotiste de base. Hein, mais là, maintenant, je pense qu'il faut que Longoria tape du poing à chaque fois. Et qui pointe les erreurs d'arbitrage, parce qu'on ne peut pas non plus continuer comme ça, gentiment, se faire enfler sans rien dire. Hein. Ce n'est pas possible, hein. On n'est pas des gamins de 5 ans. Hein. Exactement. Les amis, pour tous ceux qui viennent de se connecter, donc vous êtes en direct du canal Olympien, donc il est 9h11, vous êtes sur l'Espresso du matin, donc on revient un petit peu sur l'actualité du week-end de l'OM, donc on reviendra aussi sur le point Mercato là, de ce matin. Justement, on parlait de Pablo Longoria, donc, qui était très énervé, à l'issue du match, donc je vous fais revoir la vidéo où il s'exprime même en italien avec la gestuelle italienne, donc je vous fais écouter tout ça. Mamma mia, mai in vita mia, mai in vita mia ho visto una roba così, mai in vita mia. Scusi, non bronchite il set, s'il vous plaît. Dans la zone mix, les gars. Voilà, sur le coup de l'énervement, il s'est même exprimé en italien, hein, mamma mia, où il dit qu'il n'a jamais vu ça, quoi. À quoi sert la VAR?
Quel est le rôle de la VAR? Tu as un outil, je veux dire, qui te permet de voir d'éventuelles fautes et tu ne l'utilises pas. Ça paraît vraiment incroyable, James. Ah, mais écoute, c'est la première fois que je vois Longoria s'exprimer sur l'arbitrage. Il a toujours pris de la distance avec les différentes erreurs, parce que ce n'est pas la première fois, hein, mais il a toujours essayé d'arrondir les angles pour justement essayer de lisser l'image du club. Mais quand c'est trop, là, j'y sais, c'est pas possible, c'est flagrant. Il a tout le temps, Pignard, le temps du soin de Kolasinac, parce qu'il est resté quand même longtemps par terre. Il a tout le temps du soin pour aller consulter la vidéo et il ne le fait pas intentionnellement. Donc, c'est dirigé, cette décision est dirigée et les gens qui sont dans le camion, c'est la même histoire. Il ne faut pas se mentir, ils ont tous les angles de vidéo. Ils peuvent regarder, si tu veux, ils peuvent même regarder la marque de ton slip s'ils ont envie. Et bien là, comme par hasard, ils ne voient pas une semelle grosse sur le tibia, il aurait pu lui briser la jambe. On aurait eu un an Kolasinac out. Il faut arrêter les conneries là maintenant. Exactement. Eh ben, les conneries, elles risquent peut-être d'être arrêtées prochainement parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'arbitrage avec des micros un petit peu de partout, les arbitres, les joueurs, même dans la VAR, je crois. Donc là, ils sont mal, là, le corps arbitral, parce que les arrangements, ça va être fini bientôt. Là. Ah ben moi, je suis pour sonoriser l'arbitrage avec les joueurs. Mais je suis aussi pour sonoriser la discussion entre le camion VAR et l'arbitre. Comme ça, on va savoir ce qui se dit entre les deux. Parce que c'est ça le vrai sujet. Parce que si par exemple la VAR ne dit rien, là dans ce cas-là, on pourra dire « Ah, Pignard n'a rien vu », parce que bon, c'est humain de ne pas voir. Mais la VAR, intentionnellement, n'a pas voulu pointer l'erreur. Donc dans ce cas-là, on pourra savoir la navette qui se passe entre les messages. Parce que moi, c'est ça qui est scandaleux. Scandaleux, en fait, c'est un peu comme l'omerta ici. On a l'impression que tout se fait sous le tapis pour pas qu'on montre les erreurs. Mais attention, les amis, moi, je ne jette pas la pierre contre les arbitres. Les arbitres sont humains. Mais maintenant, nous avons les outils technologiques pour corriger ces erreurs. Si en plus, on met des mecs mal intentionnés aux mains de ces outils technologiques, alors là, ça s'appelle de l'entubage. Donc moi, je suis désolé. Si vous voulez, messieurs les arbitres, qu'on vous respecte, qu'on respecte vos décisions qui sont tout à fait compréhensibles parfois si vous les expliquez. Et bien, à ce moment-là, soyez francs, soyez transparents, laissez-nous tout entendre et on verra bien. C'est un peu comme les images. Tu sais, les images, j'avais demandé au live pourquoi les images de la faute n'ont pas été retransmises au stade. Mais bien sûr qu'on ne les retransmet pas au stade parce que sinon, le scandale que ça serait, ça ne vaut pas la peine. Exactement. Après, voilà, comme dit aussi Christophe dans le chat là que je viens d'afficher, je l'avais dit déjà il y a quelques mois en arrière. Alors, si pour l'instant, on ne veut pas tout à fait arriver au fait du micro, pas micro, machin, mais pourquoi on ne donne pas au coach la possibilité, comme au tennis éventuellement, de, bon, pas forcément à chaque action, mais tu donnes au moins deux challenges par, un challenge par mi-temps à la limite, tu vois, où tu donnes la possibilité au coach de demander la vidéo sur une action où tu as un doute. Là, Tudor aurait eu éventuellement la possibilité de demander la vidéo sur l'action de Kolasinac, parce que même si la VAR ne la donne pas ou si l'arbitre ne la demande pas, là, le coach la demande et là, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Une fois que la vidéo est visionnée, même si eux, alors, au lieu de regarder un film debout et l'arbitre au lieu d'être corrompu, à un moment donné, face à la réalité du replay, ils ne pourraient pas se cacher. Là, ils seraient obligés de siffler le pénalty si tu avais droit au moins à un challenge par mi-temps. Non, mais en plus, je vais te dire, j'y sais, avec les outils technologiques que l'on a, c'est pas comme si… maintenant, il n'y a pas un mec au milieu du terrain qui a une seule caméra et qui tourne de droite à gauche. Maintenant, il y a des caméras partout. Non seulement il y a des caméras partout, mais en plus, tu as des supporters qui filment dans le stade partout. Donc, ce qui veut dire que rien n'est transparent aujourd'hui. Nous sommes dans une société où l'image est très importante. Là, moi, je suis désolé, les arbitres sont en train de se donner une image lamentable, lamentable. Un, de leur incompétence, et si ce n'est même pas de leur incompétence, de leur mauvaise foi tout court. Donc là, moi, je suis désolé, il faut trouver un système. Alors, ça peut être, comme tu dis, si tu veux, l'autorisation d'un arrêt par le coach pour revisionner des images, peut-être un par mi-temps, par exemple, on pourrait demander un par mi-temps. Ça peut être aussi justement la sonorisation des arbitres. Il y a un paquet de mesures. On n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas dans les années 60, si tu veux.
Donc, aujourd'hui, on a les possibilités de corriger ces erreurs. Moi, je ne jette pas la pierre sur les arbitres. Attention, hein. Les arbitres doivent travailler parce qu'ils font partie du football. Mais il faut améliorer les arbitres et justement améliorer le fait qu'ils ne fassent plus de ces erreurs grossières, voire même de leur mauvaise foi. Parce que même, excuse-moi, mais quand on voit les gens, je ne sais plus qui avait dit ça au live, où sont encartés les arbitres ? Ils sont tous de la région lyonnaise, de Paris. Non, mais attendez, les amis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont tous petit à petit, c'est le petit train qui va nous passer derrière. Non, il faut arrêter les conneries, les amis. Exactement. Le mot connerie, c'est… Surtout comme tu dis, dans le quart de la VAR du match face à Monaco, il y avait deux Lyonnais, deux personnes d'origine lyonnaise. Donc ça, c'est quand même pas normal, quoi. Je suis désolé. Tu mets pas deux Lyonnais dans un bus qui va avoir des décisions très importantes du côté de l'OM. Après, voilà, moi c'est vrai qu'il y a un truc qui me dérange aussi, parce que c'est vrai, on a tendance à dire, ouais, mais les Marseillais, alors même des supporters de l'OM, des fois, je lis un peu les commentaires dans les articles, les machins, qui te disent, ouais, mais on est toujours en train de se cacher derrière l'arbitrage. Mais à un moment donné, l'arbitrage, je suis désolé, c'est des faits de jeu, c'est des points que tu perds. Là, contre Monaco, tu perds deux points. Je ne me rappelle plus toutes les erreurs qu'il y a eu depuis le début de la saison. Il y en a eu des tonnes. Mais à la fin, à l'arrivée du championnat, si tu fais le cumul des points qu'on te vole, tu as au moins 7, 8, 10 points. Et tu les rajoutes au total, peut-être tu es au cul du PSG, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Exactement. Exactement. C'est, en fait, tu fausses le championnat. Donc, on remet pas en cause toutes les décisions. Il y a des fois où ça peut être sujet à l'interprétation par rapport à la physionomie de l'action ou quelque chose. Pas de problème. Après, ça forcément, quand tu es supporter d'un club, tu vas plus voir la faute qu'autre chose. Ça, il n'y a pas de problème, je l'entends. Mais là, je suis désolé, le mec, la semelle, que tu sois lyonnais, niçois, parisien, rémois ou toulousain, le tibia, c'est un tibia. Quand tu ramasses une semelle en avant sur le tibia, c'est rouge et pénalty. Il n'y a même pas de discussion avant, après la frappe. C'est des conneries en barre, ça. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu tires et qu'un mec vient te découper comme un goéland, il te découpe la nuque, il n'y a pas de faute. C'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête comme justification. Exactement. Soyez, et surtout, comme dit notre ami Fredo là, sur le chat, on parle même plus d'incompétence. Là. En fait, c'est une bande organisée. Parce que ils sont quatre autour du terrain, ils sont trois dans la camionnette, donc ça fait quand même sept arbitres. Et sur les sept, il n'y en a pas un qui voit la faute à un moment donné. Voilà, que tu aies l'incompétence de un, allez, de deux à la limite. Mais disons, il y a 14 yeux, il y a sept paires d'yeux, il y a 14 œils qui sont en train de scruter le match et les 14 ne voient pas la faute. Donc à un moment donné, comme il dit, c'est un vol organisé, un vol ordonné. Donc, c'est plus une incompétence, là. C'est voulu. Eh oui. On dérange, j'y sais. L'OM a une équipe qui est en train de se rapprocher du niveau de celle du PSG. Ça va peut-être faire rire les Parisiens qui sont en train de voir des missions. On n'a peut-être pas les milliards, on n'a peut-être pas vos starlettes, mais on a sans doute des joueurs qui ont l'envie, qui ont le cœur, qui ont la grinta. Et ça, petit à petit, d'année en année, le niveau se rapproche. Et ils commencent un peu à trembloter, on va dire, les Parisiens. Eh oui, et c'est ça. La différence entre une équipe qui a un nom d'équipe et une somme d'individualité. Donc, voilà, en ce moment, nous, on se comporte comme une équipe. Et Paris, hier, contre Reims, on s'est rendu compte qu'ils se sont comportés comme une somme d'individualité. C'est ça qui fera la différence, hein. Je me souviens aussi, ça a été exactement quand Lille a été champion. Ça a été exactement la même chose, dans le même contexte. Lille faisait vraiment un bloc équipe complet. Et c'est comme ça. Hein. Donc, forcément, s'ils ne sont pas aidés, les gens de la capitale, peut-être qu'on aura nos chances. Exactement. Surtout, ce qui m'a fait rigoler, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, là, il y a la vidéo d'un YouTuber parisien qui commentait le match. Et qui disait, dans les deux dernières minutes, il disait, ouais, il y a tous les Marseillais, ils sont là, ils auraient bien aimé qu'on se fasse accrocher contre Reims. Il faisait un peu le beau, là, il faisait le gandin, comme on dit à Marseille. Et le karma, il était effondré quand il a vu que Reims, ils ont égalisé dans la dernière seconde. Et ben voilà, donc tu vois, à force de faire un peu les gandins, là, tous ces supporters à deux balles, là,
Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément une équipe qui sera championne cette année. Et voilà, on espère que notre Olympique de Marseille, avec les nouvelles recrues qu'on va avoir, va un petit peu se venger sur eux. Et déjà, on leur donne rendez-vous la semaine prochaine en Coupe de France au Vélodrome où le stade sera chargé à mort. Et on espère voilà, qu'on ne sera pas encore victime d'une faute d'arbitrage, d'un fait de jeu, d'un carton rouge contre nous pour équilibrer les débats, quoi. Exactement. Moi, je pense qu'il y a la place. Il faut y croire. Bon, pour le moment, on le met dans un coin de la tête hein, parce qu'il faut savoir quand même que le plus important, c'est qu'on performe. Là. On faut prendre match par match. Il ne faut pas non plus aller se fixer comme objectif absolu. Mais plus les matchs vont passer et plus l'échéance finale arrivera, et si on n'est pas loin, eh ben, ça ne me dérangerait pas qu'on leur fasse un coup sans vaseline aussi, puisqu'on en a l'habitude, nous, alors un peu à eux. Exactement. Là, tu vois ce classement. Là, tu vois quand même que tu n'as que 5 points de retard. Donc, entre les vols qu'on a subis, entre la mauvaise passe qu'on a eue juste avant la Coupe du Monde, tu te dis, putain, cette année, voilà, on les regarde dans les yeux. Quoi. On est là cette année. Cette année, on va… Alors, sans manquer de respect aux Lensois, moi, je pense que les Lensois vont s'écrouler. Hein, ça, c'est mon avis perso. Mais les Parisiens, voilà, je crois que cette année, on a des arguments, on va dire, pour les titiller. Et ben, pourquoi pas être champion, on ne sait jamais dans la vie. Il y a bien d'autres équipes qui l'ont fait ces dernières années. Dans la prochaine journée du championnat, donc, ben, on voit que nous, donc, on joue après-demain donc, à Nantes à 19h. Donc, ils font chier avec ses horaires à 19h. Si c'était 21h, j'aurais pu voir un peu la deuxième mi-temps. Là, je verrais que dalle. Ensuite, les Parisiens, eux, ils reçoivent… non, ils se déplacent. Ils vont à Montpellier et c'est pas gagné. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné à Montpellier. Je te le dis, c'est pas gagné. Voilà, on espère que les Montpellierais vont jouer le jeu. Ils vont essayer au moins de les accrocher. Hein. C'est pas si simple à jouer à la maison. Hein. Exactement. Et les Lensois qui reçoivent aussi Nice. Hein. Ils n'ont pas gagné les Lensois contre Nice aussi. Là. Franchement, je ne sais pas parce que Nice, sincèrement, Nice est tellement aléatoire. Regarde, hier, ils gagnent 1-0. Je ne sais pas. Franchement, moi, franchement, Lens-Nice, je vois bien un 0-0 dégueulasse. Mais je vois bien Montpellier faire un 0-0 contre le PSG. Ce qui fait que nous, si on gagne Nantes, on revient bien. Hein, on revient bien. Exactement. Je pense qu'on est plus en phase de gagner, nous, notre match à Nantes, que les Lensois face à Nice et que les Parisiens à Montpellier. Donc, la prochaine journée peut encore être à notre avantage. Exactement. En espérant que les arbitres le voient autrement, surtout. On va poursuivre on va faire un petit point mercato, là. Les amis, vous êtes sur le canal Olympien, il est 9h25. On va mettre le lien dans quelques minutes. Si certains d'entre vous veulent monter un peu discuter avec nous, eh ben, on est preneur. Hein, donc, on met ça dans 5 petites minutes. On mettra le lien. Alors, on va venir au niveau du mercato. Déjà, mais, il y a l'Atlético Madrid qui ne lâche pas Jonathan Kloss. Hein, ils ont fait une première offre à 9 millions. Là, ils ont augmenté à 12 millions. Alors, on sait qu'il reste un peu moins de 48 heures pour le mercato. Donc, est-ce que tu penses qu'ils vont faire une troisième offre? Et selon le niveau de cette troisième offre, est-ce que tu penses que l'OM va lâcher Jonathan Kloss? Alors, je vais te dire, ils sont gentils, les Espagnols. Hein, c'est un peu comme Séville. Hein. Ils veulent que des prêts. Ils ne veulent pas payer un centime. D'abord, premièrement, si tu veux vraiment un joueur, tu poses la caillasse sur la table. Là, c'est des prêts avec une option d'achat. Donc, moi, je suis désolé. 12 millions pour un joueur qui est un de nos titulaires. Hein, s'il n'était pas blessé, il est titulaire indiscutable. Mais je crois qu'ils ont fumé la moquette, Simeone et toute la clique, hein, l'Atlético. Hein, jamais de la vie. Alors, je vais te dire, pour débaucher un titulaire d'une équipe qui, en plus, joue le podium en n'importe quel championnat, hein, on va pas un championnat majeur, c'est minimum 25 millions sur la table. Hein. Tu ne peux pas déloger un titulaire comme ça à 48 heures de la fin d'un mercato. Alors, s'ils veulent, ils reviendront cet été. Et encore, je ne suis même pas sûr que Longoria le fasse parce qu'il veut quand même garder une ossature de joueur d'expérience pour la Ligue des Champions. Donc, je ne suis pas sûr du tout que Klaus sera vendu même cet été. Et c'est minimum 20 plaques, 20 millions sur la table en cash. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de si. Alors, Simeone, allez voir chez quelqu'un d'autre, cherchez, je ne sais pas quoi, un mec au Vietnam ou je ne sais pas où il joue. Prenez-vous un arrière-droit comme où ils veulent et laissez-nous Klaus tranquille. De toute façon, ça ne sert à rien.
il est invendable. Klaus, invendable. Voilà. Exactement. Du côté de l'OM, il va falloir, même si on est en besoin financier, si tu veux évoluer, ben, y a des joueurs que tu n'as pas le droit de faire partir. Tu as des joueurs, comme tu dis, qui font partie de l'ossature, de l'avenir. Donc, quel que soit le prix, ben, tu ne vends pas, quoi. Ah oui, non, mais c'est de toute façon, Klaus, je vais te dire, tu regardes les statistiques européennes, c'est parmi les meilleurs centreurs d'Europe. Si tu le regardes, il y a des stats, hein, les gens peuvent aller regarder les stats, c'est parmi les meilleurs centreurs d'Europe. Il n'est pas con, hein, Simeone. Hein. Donc, mais moi, je suis désolé. Pourquoi tu veux t'enlever un joueur de qualité qui est normalement titulaire en dehors de sa blessure, t'affaiblir alors qu'on n'a pas de solution, entre guillemets, viable. Et en plus, tout ça pour 12 millions alors qu'on l'a acheté 9. Ça veut dire que tu fais 3 millions et c'est un prêt. On n'a même pas d'argent cash. C'est un prêt. Non, mais Simeone, va fumer ta ganja là-bas à Madrid sur les terrasses d'un café et laisse-nous tranquille. Hein. Allez. Allez, on va poursuivre le mercato de l'OM. Donc, a priori, donc, il y aurait un accord entre l'OM et Brest pour un prêt de Jordan Amavi selon RMC. Alors, je n'ai pas vu si c'était un prêt avec option d'achat obligatoire ou pas. Je ne sais pas si tu as plus de précision, Jim. De toute façon, nous, le problème d'Amavi, c'est le problème du salaire. Ce n'est pas parce qu'il prend une place sur le banc, parce que même s'il revient, entre guillemets, ce n'est pas si grave que ça. Mais le problème, c'est le salaire. Là, je pense que Longoria pense surtout à réduire la masse salariale et donc il le prête à droite, à gauche. Ce n'est pas pour le revendre, hein, parce qu'il sait très bien qu'il est un revendable. Hein. C'est juste pas une question de salaire. Amavi a un gros salaire. Si on peut, entre guillemets, alléger cette charge qu'on a sur le dos en faisant prendre en charge une partie en moins, tout au moins de son salaire, ben c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que quand tu vois un petit peu la projection de ce joueur-là, qui était quand même du côté de l'Olympique de Marseille, et là tu vois qu'il va partir à Brest, comment on peut expliquer une telle désillusion de ce joueur, James, de l'OM? Tu passes à Brest, c'est quand même impressionnant, quoi. Après, écoute, JC, c'est un joueur qui a été toujours fragile psychologiquement, à ma vie. Hein. On sait qu'il avait des tendances comme ça, un peu, où il était un peu la tête dans le sac, qui influait beaucoup sur ses performances. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un coach qui demande beaucoup d'efforts. Donc, et l'année dernière, on avait un coach qui demandait beaucoup de concentration, parce qu'on avait un coach qui jouait beaucoup sur la possession, donc sur les mouvements des joueurs sur le terrain. Et aujourd'hui, on a un coach qui demande beaucoup de projection et beaucoup d'efforts physiques. À ma vie, n'a ni les capacités de faire ces efforts répétés physiques, ni la concentration, parce que souvent, il avait des pertes, comme ça, on ne savait même pas pourquoi, il avait des pertes de concentration au milieu d'un match, pour jouer sous Sampaoli. En fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Alors, peut-être que dans un rôle plus restreint de véritable arrière-gauche, avec moins d'efforts à faire ou des choses très, très basiques, à ma vie, sera un bon joueur. Mais là, en l'occurrence, ça ne tient pas la route dans l'OM que l'on a. Et le niveau, il ne faut pas se mentir, hein, j'y sais, le niveau de l'OM est monté d'un cran. Donc, il faut prendre des joueurs qui arrivent à ce niveau-là. Exactement. Comme tu dis, voilà, l'OM est en train d'évoluer. Il y a des joueurs qui n'ont plus leur place du côté de l'OM. Mais c'est vrai que peut-être, à ma vie, c'est aussi peut-être un manque de sérieux, un manque de… Voilà, est-ce qu'il respectait les règles en dehors du football, tu vois? Est-ce que voilà, une hygiène de vie peut-être un peu trop… Ça, tu ne peux pas savoir le comportement que peut avoir un joueur. Le problème, c'est, tu vois, l'investissement que tu mets à l'entraînement, ça aussi, ça compte. Est-ce que à l'entraînement, tu te donnes à 100%? Si le mec se cache tout le temps, s'il triche tout le temps, ça passe pas. Exactement. Ben voilà, c'est comme dit Nathan… OM, là, qui nous dit, donc, si Amavi va à Brest, c'est que ce n'est plus un bon joueur. Voilà, il est au niveau d'un joueur moyen de Ligue 1, on va dire. Voilà, voilà, c'est ça. C'est son niveau, malheureusement. Allez, on va poursuivre un peu le mercato du côté de l'OM. Donc, on va parler, bien sûr, de Pape Gueye. Pape Gueye, qui devrait partir, on va dire, provisoirement, hein, du côté de Séville, parce que c'est un prêt sans option d'achat. Donc, c'est peut-être bon pour les deux parties, bon pour l'OM, parce que c'est vrai qu'avec un joueur en trop comme ça, ben, tu sais pas quand le faire jouer. Et lui, pour son expérience personnelle, voilà, avoir du temps de jeu, voilà, on va dire que c'est peut-être un prêt gagnant-gagnant, Jim, pour Pape Gueye. Écoute, Gueye ne jouait pas beaucoup, et je pense que c'est un joueur, dans un autre type de système,
serait performant parce que Gueye, c'est une sentinelle. Et le problème, c'est que nous, on joue sans sentinelle. Mais dans un positionnement de véritable numéro 6 en plaque tournante, vraiment devant une défense à plat, Gueye serait un très bon joueur. Le problème, c'est que nous, on ne joue pas comme ça. Donc, il avait du mal à trouver sa place. Alors, il a été intéressant quand il a remplacé en tant que central, arrière-gauche central. Mais ce n'est pas son rôle non plus, c'était du dépannage. Moi, je suis très content pour Gueye parce que d'abord, un, c'est un joueur qu'on n'entend pas, qui ne fait pas la diva, ce n'est pas Dieng. Il n'a jamais râlé malgré son statut de remplaçant. Il s'est toujours donné à chaque fois qu'il est rentré. Il a fait du mieux qu'il pouvait. À chaque fois, il a toujours tout donné sur le terrain. Moi, je souhaite vraiment une réussite à Séville pour qu'il se montre. Et peut-être que l'année prochaine, soit on le récupère avec un joueur avec pleine confiance et avoir 6 mois dans les jambes de ballon, soit on pourra le revendre avec un joueur qui aura vécu 6 mois pleinement en tant que joueur. Donc là, je suis très content, d'autant pour deux raisons. Deux raisons fondamentales à l'OM. On va pouvoir faire redescendre Guendouzi à son poste, parce que Guendouzi est plus un milieu relayeur, mais il est meilleur en milieu défensif qu'offensif. Et on pourra intégrer Elmas dans la rotation. Donc, je pense que le choix de Gueye est un très bon choix. Maintenant, Séville, alors je vais vous dire pourquoi j'ai des doutes avec Séville. Séville, ils ont le nain chauve, hein, vous le savez, l'énervé du bulbe. Donc, voilà. J'aurais préféré, et je l'ai dit en off, j'aurais préféré qu'on le prête à Stuttgart, qui le voulait aussi, pour qu'on récupère leur avant-centre. Mais bon, ce n'est pas l'orientation actuelle, donc voilà. Mais tant mieux pour Gueye, tant mieux pour ce joueur, que moi j'apprécie beaucoup de par son comportement professionnel. Alors un autre joueur qui va sans doute faire plaisir aux supporters de l'OM, qui devrait rester à l'OM cet hiver, c'est Matteo Guendouzi, alors qui était en discussion avec des clubs anglais. Voilà, est-ce qu'en plus de ce départ de Pape Gueye, donc est-ce que l'OM va encore se déshabiller dans cette zone de jeu? Voilà, ça serait une bonne nouvelle que Guendouzi ne parte pas, James, à moins qu'il reçoive une grosse offre de notre club dans les dernières secondes du mercato là. Non, mais même si on reçoit une très grosse offre, et quand on parle de très grosse offre, je ne pense pas qu'on dépasse les 35 millions. Même si on reçoit une grosse offre comme ça, je pense que Longoria ne le vendra pas parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il faut savoir quand même que Guendouzi, même s'il n'a plus le même rendement que l'année dernière, hein, parce qu'il n'a plus son poste préférentiel, il n'existe plus dans la formation actuelle. Guendouzi, c'est quand même quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, ne triche pas. Et c'est quelqu'un qui amène une mentalité dans l'équipe qui est différente. C'est un peu comme Sanchez. Ce sont des joueurs dont on a besoin mentalement sur le terrain, qui amènent un plus de grinta que d'autres n'ont pas. Donc, il ne faut pas se mentir. Donc, je pense que Guendouzi peut-être partira l'été prochain. De toute façon, il faut qu'il joue parce que c'est simple. Hein. Longoria, c'est un président qui fait du trading. Ça, on le sait depuis longtemps. On est d'accord. Donc, Guendouzi, s'il ne joue pas, il ne vaudra jamais la somme que demandera Longoria. Longoria parlait de 50 millions, mais si Guendouzi ne joue pas, les 50 millions, je ne sais pas comment tu vas les justifier, hein, comment tu vas pouvoir les prouver. Donc, le départ de Gueye va permettre à Guendouzi d'avoir plus de temps de jeu, de se montrer à son avantage. Pour nous, ça sera bénéfique. On récupère un joueur, si tu veux, mentalement, on le remet dans le bain. Et pour Longoria, c'est bénéfique dans le sens où peut-être cet été, il acceptera des offres anglaises plus importantes. Exactement. Comme tu dis, voilà, il faut garder Guendouzi, il faut continuer à l'exposer, justement, à l'exposer pour peut-être mieux le vendre, comme tu dis, dès cet été. Et c'est vrai que c'est important de le garder, ce garçon, ne serait-ce déjà, comme tu dis, ben, pour sa grinta, pour ce qu'il doit apporter aussi dans le vestiaire, et surtout la pression qu'il met sur les arbitres pendant les matchs. Moi, il me régale, parce que c'est un joueur qui est capable de mettre la pression sur les arbitres, c'est un joueur qui est capable de faire dégoupiller les adversaires aussi, parce que quand il est sur le terrain et qu'il a envie de faire dégoupiller, parce que contre Paris, là, je pense qu'un mec comme Guendouzi, il va vite faire dégoupiller un mec comme Neymar, quoi. C'est vite fait, quoi. Ah, moi, je pense qu'il va faire dégoupiller Verratti bien avant que Neymar. Peut-être. Oui, parce que Verratti, c'est son point faible, hein, le dégoupillage. Hein. Donc, on le sait. Hein, et je pense que Guendouzi, il a toujours les mots… tu sais, bon, on se… On,
On ne dit pas ça, mais je vais me faire. Mais tu sais, ce qu'on dit, au ballon, on dit qu'il a un jeu de pute. Donc, c'est ça. Voilà, c'est un sale mot, mais bon, voilà. On voilà, sait que c'est comme ça. C'est une teigne. Moi, il me rappelle un peu des joueurs qui étaient toujours en train de mettre la pression sur les arbitres. Je ne sais pas si tu te rappelles, des Bernard Pardot, des Marcel Dib, qui étaient là, toujours à casser les bonbons, tu vois, toujours à mettre cette pression là. Et oui, il te trouve toujours les bons mots. Et c'est un malin parce qu'il le fait discrètement. Il a cette intelligence. Alors, quand il était jeune, il dégoupillait facilement. Il a très vite compris. Et quand il est arrivé à l'OM, je pense qu'on lui a donné, si tu veux, l'avantage qu'il a eu à l'OM, c'est qu'on lui a donné le costume d'un patron. Et donc, il a pris beaucoup de responsabilités. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a évolué dans sa tête. Et il s'est dit, finalement, c'est moi qui vais faire dégoupiller les autres maintenant. Exactement. On va poursuivre donc avec le mercato et l'arrivée de ce fameux attaquant. Là, on sait que ben, en pole position, il y a le Vitinha de Braga. Donc, on va en parler. Je vais vous montrer quelques images de ce joueur. On va voir un petit peu ses stats, c'est les buts qu'il a marqués, dans les compétitions qu'il a marquées. Les amis, vous êtes sur le canal Olympien, on va mettre le lien dans 4-5 minutes, une fois qu'on a parlé, qu'on a fini le sujet Vitinha. Donc on mettra le lien, d'ailleurs ben, je vais le mettre dès maintenant, comme ça on vous met en salle d'attente et vous allez monter avec nous. Donc ceux qui veulent monter, allez, on peut prendre 2-3 personnes, allez-y, n'hésitez pas, voilà, hop, le lien est sur le chat, allez-y, montez et on vous met en salle d'attente, allez les gars. Donc on va aborder le sujet Vitinha, alors je crois qu'il a 22 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc attaquant. Jeune, hein, c'est un jeune joueur. Hein. Attaquant, donc jeune joueur, donc qui est coté autour de 20 millions d'euros. On sait qu'il a une clause libératoire, je crois, de 30 millions d'euros. Braga en voudrait 30 millions d'euros. Alors moi, je ne connais pas le joueur, hein, je ne connais vraiment pas le joueur, mais ça me fait un peu peur. Je ne sais pas ce que tu en penses, James. Ça me fait… Est-ce qu'il est capable de réussir à Marseille? Est-ce qu'il a l'expérience de réussir à Marseille dans ce stade Vélodrome? J'ai peur que… Moi, j'aurais préféré d'autres joueurs. Il y avait des noms qui circulaient. Il y avait des Moiskin, il y avait des même Luis Muriel. Là, j'ai peur qu'on tente un gros pari. Et là, quand même, la somme n'est pas petite, quoi. Alors, moi, je vais te dire… il y a deux choses que sur ce choix de joueur. Attention, hein. C'est un joueur qui a été choisi parce que ce joueur… Vous verrez plusieurs matchs de Braga. Il ne faut pas regarder que les vidéos. Hein. Allez voir des replays de Braga. C'est un joueur qui fait un pressing constant. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a été ciblé. Par contre, je vais mettre un bémol. C'est sur la taille du joueur. Il est assez petit. Il mesure 1m80. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, après, c'est qu'un avis qu'à moi, hein, le mien, hein, j'ai l'impression que l'OM… On a besoin d'un joueur un peu plus physique pour fixer la défense, plus qu'un joueur qui percute et qui harcèle. Alors, je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix. C'est son prix, hein. 20 millions, c'est son prix, JC. Hein. Il vaut les 20 millions, vraiment. Techniquement, il est très bon. Il est très adroit devant le but. Il harcèle. Mais est-ce que le gabarit est adapté à la Ligue 1? C'est un pari. C'est un vrai pari pour ça. Moi, je ne peux pas me prononcer sur Vitinha aujourd'hui. Moi, j'avais d'autres noms avec des gabarits beaucoup plus imposants. Je ne sais pas, depuis après 2-3 semaines, je vous dis, j'aimerais bien qu'on tente Rasmus Højlund, le gamin de 19 ans de l'Atalanta. J'aimerais bien qu'on le tente. Il coûte 20 millions, exactement comme Vitinha. Il a 19 ans, il n'a pas 22 ans. Mais il mesure 1m91 déjà. Et c'est un mec qui est titulaire avec l'Atalanta et qui brille avec l'Atalanta. Donc, j'aurais plus… Et l'Atalanta, l'avantage, c'est qu'il joue exactement comme nous, dans le même système de jeu. C'est le même principe, hein, tu sais, c'est la même école que tu dors. Donc, j'aurais bien tenté ce joueur-là plutôt que Vitinha. Mais est-ce que l'Atalanta était vendeuse? Ça, c'est autre chose. Tu sais, le problème, c'est qu'il faut proposer. Puis, est-ce qu'il faut voir… Trouver si le club est vendeur. C'est comme nous avec Guendouzi. On n'est pas vendeur. Est-ce que l'Atalanta est vendeur?
C'est très compliqué le mercato d'hiver. Hein. Mais Vitinha est un très bon joueur. Très, très bon joueur. Mais dans un registre particulier, c'est quelqu'un qui fait le pressing constant. Il fait le pressing jusqu'à la 90e, hein, JC. Il faut regarder les matchs. Moi, j'ai regardé, là, justement, quand l'OM s'intéresse à lui, j'ai commencé à me taper quelques matchs de Braga. Et c'est un joueur qui harcèle les défenses. Harcèle. Comme tu dis, c'est peut-être une qualité que, ben, que Tudor recherche dans son système, un attaquant qui lâche rien, quoi, un peu comme Sanchez, hein, qui cavale un peu de partout, qui embête les défenseurs. Voilà, c'est choses que Dieng nous a montré dans le dernier match qu'il a joué avec l'OM et qu'il ne faisait pas, quoi. On était tous en train de casser nos télés quand on voyait Guendouzi qui avait 80 minutes dans les jambes et que tu voyais Dieng qui faisait zéro pressing, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut, un chien devant, quoi, un chien qui lâche rien et qui, en plus de ça, soit efficace devant le but. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, elle est pas tellement explicite parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Mais voilà, pour les gens qui ne connaissent pas le joueur, ça dure 55 secondes. Voilà, je vous mets une vidéo de Vitinha. You stole my heart of gold. Silver soul, can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now voilà, on voit que ça a l'air d'être un joueur puissant, rapide. Et voilà, c'est peut-être ce qui nous manque, et finisseur devant le but, c'est ce qui nous manque actuellement du côté de l'OM. Mais c'est peut-être que c'est le joueur qu'on avait eu peut-être contre Monaco, ben on aurait peut-être gagné ce match. Après, il a une petite caractéristique, Vitinha, c'est qu'il sait jouer milieu offensif gauche aussi. Donc, et on sait que Tudor aime bien les joueurs qui peuvent s'adapter à deux ou trois postes. Donc, c'est la différence avec un 9 standard, un profil plus axial. Vitinha a les capacités. À Braga, il joue souvent côté gauche, en milieu offensif gauche, voire même ailier gauche. Donc, il a cette capacité. Alors, on se retrouve quand même maintenant. Alors, ce qui est intéressant, par contre, j'y sais, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on monte d'un cran, peut-être pas sur l'aspect physique, mais on monte d'un cran sur l'aspect technique devant. Parce qu'on se retrouve avec des vrais joueurs de ballon maintenant devant. Quand tu as des Vitinha, des tripoteurs de ballon, quand tu as des Unai, quand tu as des Malinovski, quand tu as des Sanchez, tu te retrouves avec des mecs d'un niveau technique, déjà d'un autre niveau. Alors, est-ce que c'est une volonté du coach assumé d'augmenter, entre guillemets, les capacités techniques de son équipe devant? C'est possible, hein, ça peut faire une grande différence. Parce que souvent, on fait une différence entre est-ce qu'on choisit le physique, est-ce qu'on choisit le technique. Voilà, des fois, ce n'est pas compatible, sauf le cyborg. Hein, mais le cyborg, il faut le payer 120 millions. Donc, voilà. Exactement. Les amis, le lien est mis. Il y a Jules qui en attend. On va le faire monter. Alors, n'hésitez pas, là, encore une ou deux personnes avec Jules et on ouvre le studio. C'est vrai que ce joueur… il a peut-être un plus par rapport, comme on dit, à Milik, parce que tout le monde réclame le retour de Milik, c'est qu'il a peut-être la rapidité que Milik n'a pas. C'est ce qui manque peut-être à Milik dans ce système de jeu qu'on a avec Tudor. Et le pressing. Et le pressing que Milik ne faisait pas trop non plus. Hein. C'est ça, tu vois, c'est ces deux qualités. Forcément, quand tu commences à chercher des joueurs, tu commences à chercher des joueurs qui correspondent déjà au jeu que l'équipe actuelle produit, et tu cherches aussi un joueur qui pourrait de suite s'intégrer. C'est très compliqué. Hein, en plus, tu vois, on n'a pas 3-4 mois pour chercher un joueur là. Donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui rentrent dans ce cadre-là. Non, moi, je trouve que Vitinha, c'est une bonne pioche. Bon, comme tu dis, moi, j'avais d'autres noms en tête. Hein, j'en ai cité. Donc, voilà. Parce que pour moi, voilà, j'aurais aimé… En fait…
ce que j'aurais aimé, c'est qu'on bonifie nos centres. Voilà, c'est surtout ça, JC. On a l'équipe qui centre le plus en France. Et le problème, c'est qu'aucun de nos centres n'est exploité. Alors moi, j'aurais bien voulu voir un mec avec un vrai gabarit qui puisse vraiment utiliser justement les centres de Klaus et tous les autres. Hein. Donc, c'est ça qui me manque. Voilà. Alors, est-ce après, que Vitinha… Je ne sais pas si le jeu de tête, c'est sa qualité ou pas. 1m80, JC, tu as vu, nous… Alors, la différence, c'est que tu as vu, au Portugal, les défenseurs, ils sont assez petits. Hein. Nous, on a derrière, on a des Golgothes. Hein. C'est derrière… voilà, c'est des mecs qui font tous 1m90, 100 kilos. C'est des mecs qui te bougent. Hein. Tu vois bien Sanchez. Bah, regarde le match qu'on a fait contre Monaco. Sanchez, il décrochait. Et on l'a vu sur le radar que tu avais mis pendant le live. Sanchez jouait beaucoup plus au milieu du terrain que collé à la défense. Hein. Donc, voilà. C'est, moi, j'aurais bien aimé un mec qui colle la défense pour laisser de l'espace au milieu. On aurait peut-être vu un Malinovski frapper plus souvent, avoir le temps de frapper. On aurait vu un Sanchez peut-être s'appuyer. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'aussi, ils n'ont pas trouvé ce profil-là hein, parce qu'ils ont essayé Mofi. Mais Mofi, tu vois ce qui s'est passé. Mais Mofi, c'était plus le profil dont je parle. Tu vois, 1m88, 90 kilos, c'était plus ce profil-là. Voilà. Après, selon les dernières informations, alors, a priori, de toute façon, Vitinha, je pense que c'est la dernière chance. Elle a vu le temps qui reste sur le mercato. Alors, si ils ont essayé quelqu'un d'autre, hein. Si tu... A priori, alors ce matin, je crois que c'est RMC qui a sorti l'info. Ouais. Vitinha est chaud pour venir à l'OM. A priori, il veut venir. Oui, ils ont fait plusieurs dossiers en même temps là. Ils ont même contacté le CSKA Moscou pour Fedor Chalov, là, leur avant-centre, qui est aussi performant, mais qui est dans le même profil que Vitinha, c'est-à-dire un petit gabarit puissant avec des grosses cuisses qui harcèle. Donc voilà, je sais pas. En fait, Vitinha n'est pas un mauvais choix, hein, j'y sais. C'est pas mon choix, mais c'est pas un mauvais choix. Voilà. D'ailleurs, regarde, on voit un petit peu les performances de Vitinha cette saison-là. En Ligue portugaise, il a joué 17 matchs, il a marqué 7 buts et il a fait 3 passes décisives. En Ligue Europa, il a joué 5 matchs, il a mis 4 buts quand même et une passe D. Alors, l'Allianz Cup, je ne sais pas, soit des coupes au niveau du Portugal, non, je ne sais pas ce que c'est ça. Donc, il a joué 2 matchs, il a mis 1 but, et la Taça de Portugal, 3 matchs, 1 but et une passe décisive. Donc, ce qui fait au total, sur 27 matchs, il a quand même mis 13 buts et 5 passes D. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Surtout quand tu vois en Europa League, il a mis 4 buts. Quoi. Oh oui, je te dis. Et puis, si tu divises le temps réel effectif sur le terrain, il a joué 1800 minutes. C'est-à-dire l'équivalent de 20 matchs, puisque c'est 90 minutes le match. C'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas 27. Il faut le rapporter à 20 matchs pleins. Donc, en fait, réellement, si tu le calcules, il a fait réellement 20 matchs pleins et il a mis quand même 13 buts et 5 passes décisives. Donc, je pense, je t'ai dit, c'est un joueur intéressant. Hein. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais joueur. Je t'ai dit juste que moi, j'aurais préféré un profil plus costaud, un mec qui pèse, tu vois, un mec qui pèse devant… qu'il leur fasse mal aux défenseurs. Alors que là, techniquement, il peut leur faire mal. Hein. Attention, hein. C'est un mec qui va… Là, je te dis, on a choisi, si tu veux, maintenant, tout l'aspect offensif beaucoup plus technique. On a des vrais joueurs de ballon maintenant devant. Hein. Des vrais joueurs de ballon. Ça, c'est la grande différence. Alors, est-ce que tu ne crois pas… Alors, moi, je sais que personnellement, je ne le veux plus à l'OM hein, parce que tu n'as pas pris ta décision de suite. Pour moi, tu ne viens plus. Mais est-ce que tu ne crois pas que… On voit qu'il n'a toujours pas signé à Nice, Mofi. Est-ce que tu ne crois pas que dans les derniers instants du mercato, ça se décante pour Mofi peut-être hein ah, bon, moi, je vais te dire quelque chose. Personne, je ne le veux plus. Je ne le veux plus, moi. Non, mais moi non plus, je ne le veux plus parce que j'ai meilleur que lui. Ce n'est pas ça le problème. c'est pas ça. C'est que je vais te dire, je sens bien Lorient garder le joueur. Exactement, possible. Parce que possible, tu sais pourquoi possible. Je vais te dire pourquoi Lorient peut garder le joueur. Parce que Lorient, financièrement, n'a pas besoin de le vendre cet hiver. Parce qu'ils ont vendu Ouattara 27 millions. Et ils ont pris du cash. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils… Et je vais te dire, Lorient, je vois bien Lorient tenter le coup. Parce que comme ils sont bien classés et qu'ils jouent bien, ces salopards, et ben avec l'équipe, parce qu'ils se sont renforcés, vous avez vu qu'ils se sont fait prêter Fèvre, hein, je crois. Donc, je sens bien… Lorient jouait les troubles faites pour l'Europe jusqu'au bout. Et je pense que
dans la tête de comment il s'appelle, Loïc Ferry, il se dit, si je me qualifie en Europe, ça me rapporte autant que si je vends Mofi. Donc, dans sa tête, il se dit, je me garde Mofi, je vais avoir des super offres cet été en Angleterre. De toute façon, je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Donc, je me garde Mofi. Il va cartonner encore avec moi. Il va encore marquer parce que Mofi, il ne faut pas se mentir, c'est un bon joueur. Hein. Il va encore marquer au moins une petite dizaine de buts. Il va finir avec 20 buts en Ligue 1. Tu vas voir que des offres à 40 millions, elles vont arriver, hein, je te le dis. Hein. Exactement. Alors, avant d'accueillir notre ami Seb, les amis, j'ai mis le lien. Donc, il reste une dizaine de minutes. Donc, vous pouvez monter. Il y a Jules qui était avec nous. Jules, n'hésite pas, on va te faire monter cette fois. Allez, vas-y, connecte-toi. Franchement, vous nous régalez ce matin. Hein. Il est 9h53. Vous êtes 253 sur le live, sur tous les supports confondus. Ah oui, et puis, il y en a une qui nous suit tout le temps, qui est une des plus fidèles, Sabi Amira. Mais elle ne monte jamais. C'est vrai, Sabi, allez, vas-y, monte. Tu mets pas la vidéo si tu es timide, mais tu viens parler avec nous. Non, tu mets pas la vidéo, Sabi. Ça serait sympa, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fidèles qui nous suivent et qui n'osent pas franchir le pas de monter, mais n'hésitez pas. C'est pareil, hein. David Renou, il est tout le temps là. C'est ça. Et il ne monte jamais. Allez, même si vous êtes timide, allez, on entend que votre voix et personne ne voit. Il n'y a pas de souci. Allez, on va accueillir Seb et on va accueillir Jules. Salut les gars. Salut Seb. Salut l'équipe. Oui, ça m'intéresse à fond, hein, surtout que Jem, bon, on voit que c'est excellent d'avoir des passionnés, voilà, il sait de quoi il parle. Moi, si vous voulez, dans le profil même, ce qui me fait peur d'un joueur technique, si tu veux, c'est qu'un joueur technique qui a la technique dans le sens inné ou dans l'amour du jeu avant, dans l'instinct d'un buteur, tu sais, qui ne pense qu'à enchaîner, soit pour tirer ou pour aller au but, ce qui me dérange, c'est peut-être cette difficulté à ce qu'il se mange les espaces avec un Sanchez qui aime décrocher pour naviguer. Un joueur technique égale un joueur qui aime les espaces, tu vois, puisqu'il aime dribbler, il aime bouger. Donc moi, dans le profil même, c'est vrai que Mofi m'intéressait pour ça. Mofi, je m'en bats les couilles. Mais le profil d'un attaquant qui a le sens inné du but, un tueur, c'est clair que dans ses prises de balles et dans ses convictions, il va se tourner. Ben, il va se tourner quasi tout le temps au but, si vous voulez, et il va être rapide dans les enchaînements. Et c'est ça, je trouve, qui nous manque. Et deuxième chose, un joueur technique, un joueur qui bouge, moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'un attaquant dans les 30 derniers mètres en tant que point de fixation. Un réel pivot, si vous voulez, comme un excellent Olivier Giroud qu'on a en équipe de France et qui fait merveille dans les clubs à l'étranger. Moi, c'est cette interrogation d'un joueur technique comme Vitinha, a priori, que je découvre et que je trouve intéressant. Attention. Je suis d'accord avec Jem, pour moi, c'est un joueur entre 15 et 20 millions. Mais ce qui me fait peur, vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je retrouve un peu cette même crainte quand finalement, on a Sanchez et Payet qui jouent. Ils jouent très bien. Ils sont techniques, ils ont un toucher de balle merveilleux, mais finalement, devant, eh ben, 23-24 centres par match et pas de jeu aérien pour s'imposer au niveau des centres avec la tête et pas de rapidité de transition, contrôle frappe-passe, vous voyez, ou contrôle. Et c'est ça qui, dans le sens, le profil Mofi m'intéresse plus, c'est un joueur attaquant. Alors, il n'y a pas que Mofi, évidemment, il y a Moise Kean, ils ont raison, les auditeurs, on en avait parlé. C'est plus ce profil-là que j'aimerais vraiment voir arriver à Marseille, quoi. Même dans les dernières heures, c'est chaud, mais c'est cette crainte que j'ai avec un joueur technique. Merci à Seb pour ton intervention. Il y a Jules. Alors, Jules, tu n'as pas le micro qui est en marche. Donc, voilà, tu nous entends. Bonjour, bonjour. Je vous entends. Bonjour, la team. Très heureux de vous retrouver. Salut Jules, salut François, notre réunionnais. Allez, on va donner d'abord la parole à Jules qui est là depuis un petit moment. Alors Jules, tu voulais intervenir sur quoi toi? Je voulais intervenir sur la réussite actuelle de Marseille, notre club qui propose du bon football, ça il faut le dire. Vraiment, on a de quoi être fier de cette équipe. Et puis rappeler quand même qu'il faut magnifier quelqu'un. La réussite de ce club, ce que Marseille accomplit en ce moment, il n'y a qu'un seul homme qu'on peut magnifier ce matin, c'est le travail d'Igor Tudor. Il a été plusieurs fois contesté, hué pendant les matchs, pendant les débuts de match. Aujourd'hui, on voit, eh ben, le résultat, il est là. Hein. Il n'y a rien à dire. Tudor, c'est la patte Tudor dans l'équipe de Marseille. N'est-ce pas, Jem, tu es d'accord avec moi? Ah non, mais attends. Alors, je vais te dire, Jules, je vais te dire.
Moi, je vous ai expliqué 100 fois pourquoi je critique Tudor sur certains choix. Tu vois, par exemple, tu ne vas pas me dire sur le dernier match contre Rennes que Tudor fait du bon coaching avec Malinovski. Non, là, le coaching n'était pas bon. Je te le concède, c'est oui, vrai. Mais c'est ça, le vrai sujet, ce n'est pas moi le coach. Je vais te dire, j'ai toujours dit à tout le monde ici, tout le monde le sait, le coach, les joueurs, je n'en ai rien à foutre. C'est vraiment, hein, je vous le dis, c'est sincère. Moi, je pense au club. Parce que nous, on est encore là. Et dans 5 ans, on sera encore là. On sera encore là, effectivement. Mais après, James, je me permets d'intervenir. On ne peut pas dire qu'on n'en a rien à foutre. Parce que tu mets… Non, mais tu vas voir où je veux en venir, James. Il faut faire attention. C'est important aujourd'hui de trouver un entraîneur qui instaure une stabilité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? On met en exergue souvent la qualité du travail de Ferry, de ce qui se passe à Lorient, par exemple, ou à Lens. Et qu'est-ce qui ressort ? C'est la stabilité. Tu vois, c'est des entraîneurs quand même qui s'inscrivent, qui construisent avec un collectif, avec leur cadre. On le sait, dans chaque ligne, hein. Il en faut un en défense, le gardien, il en faut un au milieu et en attaque. C'est ce qui construit une colonne vertébrale d'une équipe très solide avec des ambitions européennes, on va dire même. Donc, c'est moi, tu vois, je serais… Attention, tu le sais, Jam, hein, qu'on se suit. Mais là, je ne suis pas d'accord. J'aime pas entendre… Et puis, Jem, il est respecté. On a un coach qui est respecté par ses joueurs. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Il n'y a qu'à voir hier le match, excuse-moi de parler du Paris Saint-Germain, mais quand tu regardes hier le match Reims contre le Paris Saint-Germain, eh ben, Messi était inexistant. Mais l'entraîneur a eu peur de le sortir. Idem pour Mbappé, qui était aussi inexistant. L'entraîneur n'a pas eu les coronesses de les sortir. Ah ben, Tudor, il s'est gagné le respect. Tudor, c'est autre chose. Il s'est fait respecter. Les joueurs, pour parler de manière triviale, les joueurs ne sont pas avec lui. Et surtout, les amis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que surtout, il faut un coach qui corresponde un peu à l'emblème de la mentalité. Et à la mentalité marseillaise. Parce que la mentalité marseillaise. Il faut un mentalité très fort, quelqu'un qui n'a pas peur des supporters, et c'est le cas actuellement. C'est ça. Non, mais de toute façon, à Marseille, il a toujours. Les seuls coachs qui ont marché, c'est des coachs qui avaient de la poigne. Ah oui. Non, mais surtout, c'est un coach qui correspond au droit. À la ville même, à la ville, et à la ville, même à l'état d'esprit de la ville. Oui, oui. La mentalité marseillaise, JT. Il a cette vocation à vouloir jouer en verticalité et devant le but qui correspond à notre philosophie du droit au but, c'est vrai. C'est vrai que tout à fait. Non, mais l'année dernière, on avait Sampaoli. Moi, je l'adorais, Sampaoli. Je l'ai défendu. Ah, moi, je ne l'ai jamais adoré, celui-là. Je ne l'ai jamais adoré. Son football, je ne vois pas ce qu'il propose comme football. Moi, je n'ai jamais adoré ce mec. Le côté handball, ça me gonflait un peu. On tourne et on revient, et on tourne et on revient. Mais j'y sais, Sampaoli n'a pas de philosophie. Alors que comme il s'appelle Tudor, c'est un jeu de… Tu vas devant, tu as des occasions. Par contre, Sampaoli, il ne faut pas dire qu'il n'a pas de philosophie et tout. Si, non, en fait, si tu veux, c'est qu'il s'est vraiment inspiré du football espagnol qui a quand même régné pendant quand même une dizaine d'années. Et niveau technique, il aime bien en fait épuiser les adversaires à courir après le ballon, justement pour après être fatal. Le problème, c'est que ça peut durer 70 minutes de jeu et il joue à l'horizontale. Et c'est vrai que nous, notre esprit, c'est d'aller au but, de vouloir marquer, tuer l'adversaire, d'avoir du but. Voilà. Et ça ne correspondait pas en fait à notre ADN. Ouais. On se régale, tu vois, avec un entraîneur comme ça. Moi, personnellement, devant les matchs de l'OM, je m'emmerde jamais. Tu as toujours des rebondissements. Les gens, ils ont oublié l'époque où… Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont toujours en train d'encenser André Villas-Boas. Mais je suis désolé. Rappelez-vous les matchs de Villas-Boas. Quand tu regardais les statistiques, tu avais 3 ou 4 occasions par match. Tu te faisais chier devant les matchs de Villas-Boas, rappelez-vous. Ah oui, il avait les résultats, mais on s'emmerdait. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est pas ça, l'OM. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que c'est vrai que Barcelone et l'Espagne, hein, niveau mondial, si tu veux, on avait ce football de possession, une maîtrise technique quand même qui était au-dessus de la moyenne. Et le problème, c'est que ça a beaucoup pesé sur la façon de s'en inspirer des entraîneurs, hein, un peu dans tous les pays. Et le problème, c'est que ça crée défaut. Pourquoi ? Ben, retrouvez-moi aujourd'hui un milieu avec du Xavi, du Iniesta, etc. Ça fait partie des légendes du football où il y en a très peu, ou voire tous les 50 ans, des générations comme ça. Donc, ça a pesé beaucoup. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas dire « Sampaoli m'ennuie avec son jeu », mais il avait quand même une idée de jeu, un plan de jeu qui ne correspondait pas. Aujourd'hui, Tudor, ce qui lui manque, c'est ce qu'on dit avec Jem, JC et Jo, ce qui lui manque, en fait, c'est une profondeur de banc parce que c'est un système qui est très énergivore. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas jouer sur tous les tableaux. Donc, en Ligue des
champions. Là. Seb, en fait, je vais te dire, en fait, le moi, c'est pas, là, je ne parle pas de Tudor. Je vais te dire l'OM, où elle s'est plantée cet été. Je vais vous dire pourquoi. Et je pense qu'on peut en vouloir énormément à Ribalta sur ça. Je vais vous dire c'est qui. Imaginez si on avait eu un vrai neuf à la place de Suarez. Tout à fait. Ça a été... Imaginez le niveau de l'équipe. Ah ouais, tout à fait. Ça a été Parce que c'est ça le vrai point d'achoppement. Cet été, en fait, Ribalta, c'est lui qui est allé chercher. Hein, je sais plus, en Espagne. Imaginez si on avait réussi à choper un vrai neuf. Parce que cet été, je l'avais dit cet été, mais bon, bref, quand Lorient voulait Dieng, on pouvait faire l'échange avec Mofi, hein, avec un peu d'argent. On pouvait avoir Mofi pour 5 millions de plus. Hein. Mais imaginez le niveau de l'OM si on avait récupéré un vrai avant-centre à la place de Suarez. Vous imaginez un peu le niveau de l'OM? Ça aurait été parfait. Salut Yacine, ça va? Salut, ça va? Salut, comment Yacine. Ça va? Et toi? Ça va, tranquille. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que à la vraie, tous les joueurs peuvent jouer à n'importe quel poste. Du coup, des fois, on est perdu. Hein. C'est comme ça que les autres équipes, ils savent plus. Ouais, tu as l'impression que tout le monde peut jouer n'importe où et ça déstabilise les adversaires. Eh ben ouais. Et surtout, n'importe qui peut marquer. C'est surtout n'importe qui. C'est là, il y a qui n'a pas marqué, j'ai envie de dire. Il n'y a que Paul Lopez, je crois, qu'il n'a pas marqué. Il va bientôt marquer. Ouais, du coup, moi, je me disais avec un autre avant-centre, est-ce qu'il peut jouer avec Alexis Sanchez? Est-ce qu'il peut changer la donne et du coup ne plus mettre Alexis Sanchez tout seul devant et mettre un avant-centre, ce qui nous manque, comme James venait de dire. Je vais te répondre court. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Hein. Mais moi, je suis convaincu qu'il nous faut un avant-centre vraiment avec quelqu'un qui est techniquement rapide dans les transitions, contrôle-frappe, tu vois, qui est assez grand pour pouvoir, on va dire, dominer un peu dans les phases aériennes, tu vois, et au niveau des centres, et être un excellent point de fixation pour les déviations d'En Sanchez qui, lui, balaye le terrain de droite à gauche et partout, et dans les petits espaces, c'est très rapide. C'est pour ça que moi, franchement, je le répète, mais un deuxième attaquant très technique, ça me ferait un peu peur qu'ils se bousculent un peu tous les deux. Quoi. C'est sûr. Hein. Par exemple, on donne l'exemple, bon, ce n'est pas un attaquant, mais par exemple, Nuno Tavares, c'est lui qui nous a posé problème contre Monaco, et on le voit. On le voit, il est très, trop technique. Plein de fois, il a pu faire des passes, comme par exemple, une fois, il aurait pu faire une passe à Malinovski, mais il a voulu tirer de loin, et du coup, ça a posé problème. Hein. On va donner la parole à François aussi, qui est là, qui est très François. Patient. Excuse-nous, François. Salut, de l'île de la Réunion. Vous voulez un rhum ? Je mène un rhum. Quelle heure il est chez toi à la Réunion, là ? Quelle heure il est à la Réunion ? Il doit être midi et demi. Mais c'est l'heure de la sieste à midi et demi ? Ouais, non. Parce qu'il se cogne un méchant apéro avant la Réunion. Non, mais moi, je peux pas. Tous les soirs, quand vous faites, c'est trop tard ici. Vous comprenez ? Moi, je ne peux pas monter. C'est trop tard. Oui, c'est vrai. Il y a 3e décalage et c'est ça. Là, comme vous faites la journée, bon, je vais me faire un petit coucou. Ah, ça fait plaisir. Alors, je montais souvent, je montais souvent. Mais là, comme c'est trop tard. T'as d'entendre le voir. Après, c'est vrai que quand on fait les lives à 23h, pour toi, c'est l'heure de la nuit déjà. C'est de dormir, quoi. Du coup, François, de quoi tu voulais parler, toi? Allez, je parle du cas de Dimitri. Pourquoi il a fait rentrer Dimitri 5 minutes sur la fin? Ah, le sujet Dimitri Payet. Alors moi j'ai peut-être une explication, parce que c'est vrai que, est-ce que vous pensez que dans l'intensité du match de Monaco, alors il y en a plein qui disent ouais, pourquoi il n'est pas rentré plus tôt. Alors est-ce que vous pensez dans cette intensité de match, est-ce que Dimitri Payet a plus de 20 minutes dans les jambes? Ouais, mais j'y sais, alors là tu sais. Donc, quoi, tu tends le bâton. Là, tu as tendu le bâton. Allez, je me fais plaisir et dire. Allez, vas-y, frappe-moi, vas-y. Vous savez, je ne suis pas violent, moi. Hein. Pour que j'en arrive, parce que. Non, le truc qui se passe, il est très simple, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas demander à un client d'être un habitué dans une discothèque si on ne le laisse jamais rentrer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, le problème de Payet et son rythme, on ne peut pas lui demander
d'analyser s'il y a l'intensité physique pour un tel match quand on le laisse au placard, alors que je ne sais pas si vous avez vu sa silhouette, mais il a vachement maigri, Payet. Hein. Là, dans les 5 minutes où il est rentré, il est vraiment creusé du visage. Enfin, on voit que son côté embonpoint vraiment commence à s'affiner. Hein. On sait qu'un régime, ce n'est pas évident, même pour les sportifs de haut niveau. Mais clairement, au stage à Barbella, il s'est mis vraiment à travailler son physique pour regagner sa place et être décisif dans la deuxième partie de saison. Bah, il ne voulait pas sortir aussi Guendouzi ou Malinowski. Il voulait les faire jouer. Oui, Malinowski était cuit. Le problème de Payet, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui sait tenir le ballon dans ces matchs-là. On a besoin de quelqu'un qui sait tenir le ballon parce que ça fait remonter le bloc. Ça fait, d'une phase défensive, ça te permet de mettre la pression sur ton adversaire, sachant qu'en plus, c'est notre jeu. Donc, il est vraiment, pour moi, c'est une pièce maîtresse, Payet. Et c'est dommage que les 25 minutes, 25-30 minutes, il les a. N'oubliez pas que l'année dernière, il a fait un match merveilleux en Ligue des Champions de 60 minutes. Donc, bon, si on veut le faire jouer, on peut le faire jouer. Là, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec notre super coach. Tu ne veux plus jouer, c'est tout. En fait, il s'est décidé qu'il allait faire sortir pour faire rentrer Payet et c'est au dernier moment qu'il s'est dit « Ah, lui, il est fatigué, du coup, je le sors. » Et du coup, c'est… La gestion en général, j'ai toujours dit ça, hein, la gestion des changements chez Tudor est trop tardive. J'ai l'impression qu'il attend que les joueurs soient totalement carbonisés pour les faire sortir. C'est ça. On l'a vu en Champions League aussi, en Champions League… Ces changements très, 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 très tard, quoi, je veux dire. Ça, faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Malinowski, tout le monde a vu qu'à partir de la 60e, il avait la tête… C'est un peu tôt, là, rouge, pour le faire… La tête dans le guidon, quoi. non, mais après, voilà. Après, il faut comprendre deux choses. Moi, je pense que dans la tête de Tudor, il a son 11 dans sa tête et il fait confiance à son 11, sauf vraiment gros coup de pompe ou blessure. Et voilà, et c'est pas son truc, hein, les changements, vous verrez bien, hein, il en fait très très peu finalement. Hein. Donc, c'est un défaut qu'il doit corriger parce que s'il veut entre guillemets concentrer toutes les personnes, tout l'effectif dans le match, il est obligé de faire tourner les joueurs. Moi, j'aurais fait jouer Payet, disons, à partir de la 60-65e, il avait… Je pense qu'il était largement capable de les tenir, hein, les 20-25 minutes, mais pas plus. Voilà, c'est ça, 25 minutes, je pense qu'il est plus. Par contre, les gars, ce qui voilà, est rouge les tables, les 20-25 minutes, tu vois, Jamé François, ce qui est rouge les tables, en fait, c'est que quand il y a des matchs où on a enchaîné nos 8 victoires, il y avait quand même des matchs où on dominait. C'est dommage à ce moment-là, peut-être, de ne pas l'avoir réinséré vraiment dans le collectif avec du temps de jeu progressif, tu vois, pour préparer justement ces séances-là. Et là, on avait la possibilité. Donc là, on retrouve cette fébrilité, comme il dit Jem, qu'on a vu aussi en Ligue des Champions. Et ces changements tardifs, c'est un peu dommage, mais tu sais, ça me fait vraiment penser à Didier Deschamps. Regardez Didier Deschamps. C'est l'équilibre de l'équipe. Il privilégie avant tout l'équilibre de l'équipe. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait avec Deschamps, c'est qu'il avait du mal à faire des changements très tôt. Rappelez-vous, hein, en Coupe du Monde ou à l'Euro, c'était toujours à 80, 85e minute, c'était un peu pareil. Donc, il va falloir qu'il progresse là-dessus parce que c'est un peu préjudiciable, c'est dommage, quoi. Les amis, regardez, il y a une intervention de Sonia là, qui est très intéressante, qui dit qu'il a voulu le relancer en Coupe de France et comme par hasard, le match d'après, il était indisponible. Donc, on voit que Payet, c'est plus Payet d'avant, c'est Payet qui a vieilli, malheureusement. Non, c'est ton âge. Hein. Il faut en être conscient. Tu vois, comme dit aussi Didier, Tudor estime que Payet ralentit le jeu. Moi, je suis partisan. Attendez, j'aime bien Payet, je ne suis pas un anti-Payet. Moi, je pense que pour moi, Payet, il a pu le coffre de jouer beaucoup dans cette équipe. Parce que si tu le fais rentrer à la 60e minute dans ce match, vu les vagues, les contres que nous faisaient les Monégasques, tu te retrouves facilement à 10 contre 11 parce qu'il n'a pas le coffre de faire ce pressing, de cavaler. Tu vas te retrouver de suite à 10 contre 11. Et moi, j'ai peur que si Payet était rentré plus tôt, tu perds ce match. Après, c'est que mon opinion. Après, j'entends ce que tu dis, mais je partage ton opinion, Justin. Encore une fois, on peut avoir deux visages là-dessus. Le tien. C'est vrai, parce que ça, on ne peut pas aller contre. Par contre, dans les faits, ce n'est même pas mon avis. Il est rentré, il a failli marquer. C'est-à-dire que c'est un joueur de classe qui, sur un centre,
sur une action, il peut te faire changer le match. Donc, on peut avoir cette lecture-là dans un match compliqué. Il a tellement une justesse technique qui peut te planter des buts. Sur des coups de pied arrêtés, c'est aussi une arme. C'est une cartouche dans des coups de pied, etc. Donc, après, j'y sais, il y a aussi un problème. Il y a deux choix à faire. Est-ce que tu préfères prendre un joueur lent mais frais, ou est-ce que tu préfères prendre un joueur lent et carbonisé? Parce que Malinovski, à la 60e, il était lent et carbo. Hein. Il ne faisait plus rien. Hein. Sur le terrain, on jouait à 10 contre 11. Hein. Ouais, non, mais après, bon, je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment dire. Moi, c'est le temps des changements. C'est pas parce que les deux se valent. Ça se joue, en fait. C'est un pari sur le... On ne sait pas trop quoi répondre parce que c'est un pari. Regarde, moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Parce qu'on me parle des coups de pied arrêtés de Payet. Si on compte le nombre de coups francs qu'il a mis à l'OM, les gars, depuis qu'il est à l'OM, tu les comptes sur la doigt d'une main. C'est pas non plus un excellent tireur de. Non, mais j'y sais, on peut pas voilà, le dire. Voilà, à un moment donné, il faut se le nombre de reprises de volée. On compte le nombre de reprises de volée ou de tirs qu'il a mis aussi. Et là, la balance. Ouais, mais... bon, après, c'est compliqué. Le match à Payet est très compliqué, JC. Je suis pas anti-Payet, les amis. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait des joueurs très moyens à l'OM et Payet était au-dessus de ces joueurs moyens. Mais maintenant que le niveau de l'OM a augmenté. Mais JC, ce qu'on peut pas enlever, c'est que je suis d'accord, réduire son temps de jeu. Mais tu peux pas m'enlever qu'il fait partie de ces joueurs qui, sur une action, sur une phase de jeu, il peut te changer le match. Regarde, il est rentré. C'est vrai, il fait de belles passes décisives. Hein. Sur une action ou deux, il peut te faire tourner un match. Donc oui, il a plus une heure et demie, mais quand même, c'est regrettable de le faire rentrer aussi tard. Tu vois ce que je veux te dire? Il aurait c'est pu compliqué, le Capaillet. C'est très compliqué. Malinovski s'est cramé, en plus, on l'a tous vu. Non, mais je suis d'accord. Contre une autre équipe qui ne joue pas les contres rapides comme le joue Monaco, comme le joue Lens, tu vois. Il n'apportait rien là-dessus, il faisait rien. Faire rentrer Payet, oui, mais face à ce genre d'équipe, rappelez-vous quand il a joué associé avec le Gerson, tu t'es retrouvé à 9 contre 11 et tu t'es fait défoncer contre Francfort, pareil. Pour moi, même qu'il a la classe, qu'il a le geste, mais sur 30 minutes, ça fait peur, Payet. Ouais, c'est vrai. Sur 30 minutes, ouais, mais là, il a joué 10 minutes, le Gerson. Je reviens sur le petit jeune. Pourquoi tu ne fais pas jouer le petit jeune? Lequel? L'effectif du centre. Le petit jeune qui joue et qui est dedans. Là. Il n'y a pas comment ouais. Batrou, c'est le nom. Mug. Voilà, tu as parlé tout à l'heure. Régis Mug. Ça, la gestion des jeunes à l'OM, tu sais, François, c'est compliqué. Hein. Oui, je sais, ça fait un moment. Quand tu vois, par exemple, que Elmaz. Il a joué titulaire avec Galatasaray les 6 ou 7 derniers matchs du championnat. On le prend et le mec, on ne l'a même pas vu. Donc, c'est pour parler, Elmaz, même si tu en parles. C'est vrai. Je vais lui dire aussi, pour Tudor, il faut que tu te battes pour réussir à être même remplaçant. Quoi. Alors attention, ça pour moi, c'est excellent. Ça, entretenir une dynamique de concurrence pour pouvoir gagner ta place, etc., il ne laisse pas le choix aux joueurs de se reposer à l'entraînement. Et ça crée une dynamique vraiment compétitive. Sauf que le problème qu'il a, notre super coach, c'est que comme il n'a pas de profondeur de banc, eh ben, il use le potentiel des joueurs tout le temps, que ce soit à l'entraînement ou au match. Je suis d'accord. Après aussi, on peut, enfin, c'est pas sûr, mais aussi on peut finir par s'habituer. Au final, on est toujours en forme. Non, mais Yacine, je t'adore, mais tu t'habitues, tu restes un être humain, hein. Même si c'est non, mais je sais, je comprends. J'ai dit ça, je suis pas sûr. J'ai dit, mais bon, je veux dire, au final, on les voit plus en forme sur le terrain hein, depuis le début de l'année. Faut pas mentir, hein, parce que quand Tudor il est arrivé, il a direct mis ses plans. Il faut que tu cours. Et avec Sampaoli, il fallait que tu gardes le ballon. Yacine, c'est normal. Ça qui est vraiment une dynamique de compétitivité à l'entraînement et tout, je te rejoins. Hein. Et moi, je suis complètement pour ça. Sauf que le problème qu'il a, c'est que comme il a passé de profondeur de banc, vous avez vu, on a un petit peu changé. Je trouve qu'on a du mal à rentrer dans les matchs. Et en fin de compte, on fait des deuxièmes mi-temps où, là, en ce moment, franchement, on survole hein, en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, je trouve que sur la phase, tu sais, d'engagement du match, on manque d'intensité tout de suite, quoi. C'est vrai. C'est bizarre. Je voulais vous poser une question, parce que moi, je n'ai pas réussi à savoir. C'est selon les blessés, c'est quand ils reviennent, comme par exemple Klose, le gardien et tout. Même dessus, Klose.
Klos, pour moi, il y a un problème dessus. Je vais laisser parler Jem après, mais on en a parlé. Pour moi, Klos, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, évidemment. On n'est pas au cœur du staff, mais sa blessure, elle est quand même beaucoup, peut-être plus grave, plus importante que ce qu'on peut penser parce qu'il n'y a pas de communication. Ça, déjà, ce n'est pas normal. C'est flou. Et Klos, ben, il ne revient pas, quoi. On a beau voir des articles qui nous disent qu'il va revenir, mais. Ouais. Au niveau de la gravité de. Je ne sais pas si c'est aussi grave qu'on le dit. Là. Mais on ne sait pas, en fait, c'est ça le truc. Je ne pense pas. Jam, tu as les infos, toi, sur la blessure de. Non, le problème, c'est que moi, je pense qu'au tout début, je pense qu'ils ont, communiqué sur une petite élongation. Et en fait, je pense que c'est une petite déchirure. Parce qu'une élongation. Avec, en 15 jours, c'est avec des infrarouges, avec, avec tout ce que tu veux, en 10 jours, c'est réglé. Là, on est au mois. Moi, franchement, je ne prendrai pas le risque de le faire jouer contre Nantes. J'attendrai le match contre Paris en Coupe de France pour le rentrer. Ah ouais, les amis, je vous remercie beaucoup. C'est déjà 10h20. Voilà, c'est l'heure… ça fait presque une heure et demie qu'on est ensemble sur ce live, donc sur l'espresso du matin. Voilà, on a relancé les espressos du matin. On reviendra, je pense, ben, peut-être mercredi matin. J'ai un petit disponible, a priori, c'est ça. Juste, non, on va faire des émissions quotidiennes maintenant, bientôt. Voilà. On viendra mercredi matin, parce que vu que mercredi, on fait pas l'avant, on fait pas l'after, ben on fera l'avant dès le matin. Mais là, c'est intéressant parce que ça se joue, c'est le mercato, quoi. Donc là, il faut. Là, c'est vraiment qu'on est en haleine. Parce que là, on attend les éléments. Voilà, on aura les réponses du mercato. On pourra parler du match du soir face à Nantes. Voilà, mais les amis. Bon, pauvre, il n'est pas dispo non plus mercredi soir. Alors, il faut lui dire bien le matin, mais il n'ose pas monter avec nous parce qu'il est au bureau. Et il n'est pas prêt, tactiquement, il n'est pas prêt le matin. Les amis, ben, on remercie vraiment les auditeurs. Vous étiez 250 pour un matin, c'est pas mal. Merci de mettre un petit pouce bleu. Allez, il y en a 93. Allez, l'objectif, c'est d'arriver à 100. Allez, vous êtes capables. Aussi, de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch, à notre page Facebook. Voilà, donc on vous donne rendez-vous ben, de mercredi matin autour de 9h pour un mercato, un espresso, un matin espresso comme ce matin. Merci Yacine d'être monté. Merci à Jules, à François. Merci Seb aussi d'être passé. Ouais, merci Jem. Et allez l'OM. S'il vous plaît, Monsieur Longoria, écoutez-moi. Allez chercher Rasmus Højlund de l'Atalanta Bergame. Allez chercher Rasmus Højlund de la. Posez même 25 millions de patates de dessus, prenez-le. Vous n'allez pas le regretter, ça va être notre futur Haaland. Allez, réponse demain soir minuit. On connaîtra l'attaquant de l'OM ou peut-être il n'y en aura pas. Hein. On verra bien. Ciao les amis, bonne journée à tous. Et à bientôt. Ciao.